c'est ça, oui. C'est parfait. Bah, ils sont de la même équipe, c'est intéressant de donner Lille Genesis. Hein, team 100%, enfin une finale 100%, Evil Genesis. Comme par hasard, ça joue les lots tiers, hein, du côté de Momoshi, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ben on est parti, a priori, le check est fait, donc ça envoie tout de suite. Voilà la team du cœur, bien évidemment, pour Momoshi, hein, qui joue Magneto Doom Virgil. Un Berserker barrage, ça va pas punir, malheureusement. Et du coup, il crache X-Factor et Instantaire, voilà, il respecte son adversaire, Instantaire Light, X-Factor, et voilà. Donc il se débarrasse directement du Magneto, ce qui est un peu dangereux, hein, parce que le Virgil de Momoshi, il fait complètement le travail. Voilà, c'était une attaque par les airs, là c'était même pas overhead malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, ça snap, et voilà, ça snap effectivement Virgil. Ça respecte complètement l'encore de son adversaire. Bon, le bring dans le corner, voilà, ça craque à deux barres. C'est les phases classiques, hein, si vous suivez les matchs de Justin Wong, c'est vraiment les... C'est BNB, j'ai envie de dire, quand il te fait, ça se termine avec deux barres. Allez, voilà, on rebourre les distances Fairlight. Bon, un match complètement à sens unique. C'est assez impressionnant. Et du coup, voilà, le Doom de Momoshi qui se fait ouvrir sur ce petit devant derrière. Mais oui, on peut applaudir, allons-y. Effectivement, petite souffrance pour Momoshi, mais bon, voilà, justement, il est chaud, il vient de jouer. Et je pense qu'il doit connaître son adversaire, il a déjà joué contre lui. Oh, Momoshi a trouvé un jeu de garde, malheureusement, il a pas avec les risettes. Donc tout va bien, il est passé par-dessus le Tatsu pour se refaufiler. Et voilà, on est parti. Hey, 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 hey. Et voilà, on envoie les petits cailloux. Et ça va pas que les DHS Fairplay, ça va faire plus, il n'y a aucun souci. Les dégâts sont complètement là. Voilà, la déchoppe, double déchoppe de la Storm. Et voilà, il descend en RS, il trouve la de garde. Mais malheureusement, eh bien, il ne confirme pas. Et du coup, bonne garde du joueur japonais qui bourre un petit shockwave, hein, dans le RDH de la Storm. Très très bon réflexe, ma foi. Et voilà, la Storm de Justin Wong qui, comme d'habitude, eh bien, essaie de se faufiler en dehors des man games en faisant quelques high tree jumpes, voilà, comme maintenant, effectivement. Et ça, c'est l'ouverture des gardes, et ça va peut-être pas tuer, mais il a 4 barres, donc il s'en fout, voilà, on frappe de barres, et ça, ça tue complètement, ça fait tellement des dégâts, hein, pas mystique. Le Storm, de toute façon, ça, c'est complètement garanti. Voilà, il a trouvé son dégâts, mais bonne garde quand même. Du japonais qui est bien fait de la pipée du bon côté puisqu'il y a eu un petit raté. Voilà, il trouve à nouveau. Oh, ça snap à nouveau le Virgil. Et voilà. Et le RS bien gardé cette fois-ci. Oh, bien joué. Ce craquage du X-Factor, il a tenté de punir l'assist, hein, de Justin Wong. Malheureusement, il a eu le temps de se faufiler en dehors de la tournante des spirales sort. Là, ah, yeah, voilà, il a chopé là. Oui, oh oui, c'est bien sûr. C'est original. Ça se promo. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais ça tue, c'est le principal. L'important, eh bien, c'est qu'il a s'en débarrasser. Double cross-down, ça passe bien. Alors, le big, ça va toucher. Non, ça touche pas. Normalement, il peut punir. Oh non, il a pas été le chercher là, c'est dommage. Il aurait pu profiter de sa fin d'X-Factor. Le Swarmstorm, eh bien, pour le punir, enfin, pour le toucher, quoi qu'il arrive, il va maintenir en Blockstone. Et malheureusement, Justin Wong, il a quoi? Il a un Gookie qui est infernal. Voilà, vous pouvez être complètement dominant. Il arrive avec Gookie et c'est terminé. La seule chance qui reste pour Momoshi, c'est qu'il n'a plus de X-Factor pour son Gookie. Ce qui fait que le perso sera un tout petit peu moins complètement broken godisé. Et bah voilà, il a trouvé l'ouverture de garde. Donc là, je pense que c'est terminé. Il va lui faire une petite phase avec double Fury à la fin, j'imagine. Voilà, la première avec les boules, le Guado aérien et... Bah, même pas de Guado aérien. Il était au corps à corps, donc du coup, il a pu faire un RS, renvoyer au sol et faire le deuxième bip. Alors le troisième match pour l'instant c'est très très dur pour évidemment pour Momoshi, mais qui trouve l'ouverture avec l'air throw, évidemment avec le combo dans le coin. Alors voilà, il hard tag, ce qui permet évidemment tout de suite au Doom d'entrer en jeu avec aider du Virgin. Normalement il peut sans doute tuer le Wolverine, est-ce qu'il va claquer suffisamment barre pour ça? Il devrait tuer, il faut qu'il le tue, voilà, avec le Magneto. Est-ce que ça va suffire? Non, ça va pas suffire. Ah, peut-être, Marc Tourbé, le Spiral Sword évidemment avec le Virgin, il claque toutes ses barres, mais il a raison, il doit absolument tuer le Wolverine et ça va tuer. Voilà, il a quand même il a mis 147 hits, hein, pour tuer. Il refait rentrer le Magneto en rotag pour l'instant. Momoshi qui est bien, il a tué le Wolverine, il faut pas qu'il fasse le fou parce que voilà, Justin Wong qui va un peu calmer le jeu, il va zoner, aider avec l'assist à Komami, il a tout petit peu un petit trou loin sur Storm. Avec Justin Wong qui bloque, voilà, l'attaque là de Momoshi qui dash vers... Et Justin Wong qui trouve l'ouverture, évidemment, avec aidé par l'assist à Kuma. Justin Wong dans le coin, il va pas taguer, il va faire, voilà, la Fury double, qui va arracher la barre et ça tue. Attention à l'arrivée, c'est maintenant que ça va jouer avec le Virgin X-Factor. Bah non, c'est n'importe quoi, c'est le Doom qui rentre d'abord. Avec la Storm, voilà, qui snap back pour snap back, qui est le Virgin qui rentre en justice. Perso Virgin là, ça va être très compliqué. Momoshi, le japonais qui a complètement une garde, qui a vu toutes les ouvertures du Storm, et ça finit par craquer sur un lot. Avec, il prend pas aucun risque. Justin Wong, il claque maintenant sur X-Factor, il va être sûr de tuer le Virgil. Et
ça devrait tuer. Voilà, voilà l'arrivée du docteur Doom. Ça peut, il peut encore, non, c'est terminé. C'est complètement terminé puisqu'il lui reste un peu de X-Factor. Et Justin Wong qui est qualifié pour la grande finale en sortant sans trop de problèmes de cette finale winner bracket. Et Momochi qui va aller faire un tour en loser. C'est quoi le prochain match qui va être joué en loser? Alors, en arrière-boutique, là-bas, hors stream, eh bien, nous avons deux matchs de loser qui sont en train de se jouer. Et dès que les matchs sont terminés, les vainqueurs sont téléchargés sur le main stage.